Salut à tous et à tous, ici Super Canon, ici appelé Soy, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de Sam and Max, la face éclairée de la lune. Ainsi, voilà. Le petit Aft Hunter pour le mettre en plein écran, parce que voilà, on a appris cette combinaison. Chargé. J'allais faire sauvegarder. J'étais à deux doigts d'appuyer sur sauvegarder. Donc, beau fail. On va tout recommencer. Non. Alors, s'il faut faire maintenant, oui, il y avait les. Sam s'est fait. Non, c'est Max. Max s'est fait voler sa main, son estomac et sa queue, voilà. Alors, il y a le Sam violent, psychopathe, qui tire en mode m'en bats les couilles de ta vie. Va descendre jusqu'au centre de la lune. Alors. Alors, ce qu'il faut faire, parce que oui, j'ai regardé ce qu'il fallait faire. Les papillons! Je crois que c'est la fourchette cuillère la plus grosse et la plus méchante que j'ai jamais vue. Super! Des cibles mobiles! Super! Des. Je sais plus exactement ce qu'il faut faire parce que j'avais vu ce qu'il fallait. Arc-en-ciel, j'avance ou s'éloigne? Non. Les papillons, ouais. Alors là, il me voit pas, on est d'accord. Super. 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 Bon, en fait, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est beau, hein. Quand on sait pas, on utilise Magie Solus, la Solus. Ouais. Alors attendez. On fait ça en direct. Ouais, au bout de 3 minutes, j'ai toujours pas trouvé la solution, c'est beau. Alors. Bon. Vous savez, hein, je fais ça souvent. Je fais ça tout le temps, en fait, je regarde la soluce. Bah écoutez, je vais pas tourner en rond pendant 2 heures devant pendant le mon oncle Sam, le Max rouge, me tire dessus avec son flingue. Oula. Du coup, ça lagouille un petit peu. Oh, elle ne fonctionne pas, vous êtes sérieux? Ah, il fonctionne pas, oui. Fonctionne pas, et là, ça fait quoi, là? Moi, je me souviens qu'il y avait une histoire de la... Avec la fourchette géante, mais... Ah, zut, je suis de la zone. Ah oui, mais la page, elle prend 10 000 ans à s'afficher, c'est ça, l'histoire. Ah voilà. C'est toujours pas bon. Putain, 3 minutes pour afficher une page. Alors. Ah oui. Ah oui, bah oui. C'était aussi bête que ça. Oula. Oula. C'est un poil de difficulté. Bah oui, c'est vrai, j'ai ça. Tordeur de cuillère. Oula. Allô?
Je crois que c'est la fourchette cuillère la plus grande. Et ensuite... appuyer sur le bouton Tu dois descendre jusqu'au centre de la lune. Mais non. Voilà, c'était ça. J'ai une irrépressible envie de tirer sur tout ce qui bouge. C'est ça l'idée. Pas moi, imbécile. Voilà, bon, pour les deux autres maintenant. On en a un qui doit être au bureau et l'autre il doit être chez Bosco, je pense. Regarde Max, un autre toi-même. Il a réussi à s'approcher à 5 mètres de la télé avant de s'effondrer sous le poids de sa propre paresse. L'ennui est une des 5 forces fondamentales. Oh, pas de télé. À quoi bon continuer? Y a plus qu'à s'allonger en attendant la mort. C'est vrai. J'ai rien. Je suis nul. Je suis au bord des larmes. Il sait quand c'est l'ambiance, lui. Hey, Pseudo-Max, comment ça va? Mon copain voudrait récupérer sa queue. Tu veux bien lui rendre? Non. Il est plus lourd qu'il en a l'air. Un peu comme nous. Il faudrait une télé. J'ai encore le... Non, j'ai plus le cintre. J'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire avec lui, hein, non plus. Hein. C'est vrai que ça, c'est pas bête. Cette idée me met pas bête. C'est vrai qu'il nous manque un truc, hein. Il nous manque le... Ah bah voilà, j'ai compris. J'ai compris. T'as pas demandé Sam. Pourquoi je confonds toujours quand il y a deux personnages importants? Je les confonds toujours. Alors pourtant je les, il y a rien compliqué à ça. Oula. Alors là, on avait deux musiques deux musiques d'un coup. Bon, ce qu'il faut faire, c'est pas très dur. Hein. Vous voyez bien que le paramètre est plié. Voilà. Ah, par contre le troisième il doit être chez Bosco. Moi j'avais parlé chez Bosco. Qui est chez Bosco? Parce que je crois que c'était la gourmandise le dernier. Encore, encore, encore des nachos. Nom d'une bombotte de sirop de fructose. Il dévore tout ce qu'il trouve. Bosco, pas de panique. Vas-y, mon grand! Il faut manger pour devenir grand et fort! Qu'est-ce qui arrive au monde? Bosco, les raviolis?
Allez, quatre. Oh, celui-là, il a un sacré appétit. Au rythme où il va, son estomac pourra même plus rentrer dans son corps. J'ai plus besoin de mon estomac de mortel, Sam. Je suis le régime purificateur de Hug Bliss, citron, eau et soleil. Dieu m'en est témoin. Avant la fin de la journée, tu vas te goinfrer de bouchées pralinées au beurre. Il devait pas nous donner un truc, Bosco, en fait. Salut, maman de Bosco. Bonjour, je suis Hug Bliss. Quoi? Je croyais que t'étais la mère de Bosco. Ah oui, je suis Hug Bliss, la mère de Bosco. Le concept d'identité est parfois dur à saisir. On veut acheter quelque chose. Chouette. Qu'est-ce que t'as? Bon, j'appelle ça un générateur de tremblement de terre. Mais en fait, c'est seulement mon système de défense satellite en panne. De toute façon, tes gadgets marchent toujours. Combien? 100 millions de dollars. Waouh. Pas grave. On a trouvé les 100 millions de dollars. Plus tard, si tu sois. Bye bye. Bon, maintenant qu'on a le truc, le permet, maintenant... Ça va être, je crois que ça va être 2-3 allers-retours, vous allez comprendre. Bon, il y aura 5 épisodes. Vous avez sans doute compris. Comme Max et moi, nous ne payons jamais de parking, ces trucs ne font que nous encombrer. Là, il n'y a pas de truc spécial pour celui-là. Bon. Bah, il n'y a rien de compliqué maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Alors, maintenant que tu as. Il arrive en sur route le tour. Pour la lune. On va sur la lune, on va chercher le truc. Poulet. Ensuite, une fois que le truc du poulet, on l'a, on en met le Max Mou dans devant la télé qui se trouve au bureau. Et après, au bureau. Et c'est quoi ça? C'est. Okay. Par contre, pour le goinfre, j'ai un autre tremblement de terre. Comment je peux gagner 5 millions de dollars là en fait? J'ai du mal à saisir. Alors il est où le poulet? Caméra! Caméra! Ah, les plans de caméra parfois, oui, hein, c'est laborieux. Hein. Bon. Comment ça va? Silence! Je crois que je maîtrise enfin le summum de la prestidigitation, le légendaire rat dans le chapeau. Hey. Bah, je viens de me rappeler que je ne supporte pas les rats. C'est de la vermine. Oh, cache ta joie, Maurice. Maurice? Ah, je déteste ce coup du chapeau. La prochaine fois, je me trouve une autre crèche. Oh non. Il n'y aura pas de prochaine fois. Plus jamais je ne ferai ce tour. En fait, je serais assez heureux si vous aviez l'obligeance de bien vouloir emporter ce chapeau hors de ma vue. Bien sûr. Voilà, on a gagné un chapeau. Alors par contre, si le idée que j'ai là n'est pas la bonne, je n'ai pas d'autre idée en fait. En gros, on va lui mettre le chapeau sur le Max Moom. C'est quoi? Ou le rat, ou je crois qu'il faut mettre le rat sur lui, ou un truc du genre. Hey! Ah, voilà. Rien à faire. Pas question. Ah! Sur la télé. Enfin, je suppose que c'est ça. Bah, testons. Je sais pas si c'est pas ça. La terre. On va mettre le rat sur la télé, puis comme ça, ce sera bon. Par contre, je sais pas comment je peux avoir le générateur. Hein. Oui. Peut-être en parlant à Sibyl, hein. Elle va peut-être nous donner tout l'argent du Canada, hein, si ça se trouve, c'est ça. Hein.
Or, testons dans un premier temps l'idée que j'ai. Que je peux mettre le rat sur la télé. Hey! Non. Ah bon. Non. Jamais. Alors dans ce cas, je n'ai pas d'idée. Bon, déjà parlons à Sybille pour voir si elle nous donne pas, si c'est pas elle qui nous donne l'argent en question. Et après, on verra. On reverra la solution. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut faire, c'est horrible. Ah, j'ai décidé des trucs, mais c'est pas les bons trucs. Bon. Bah, moi, je penserais que l'argent viendrait du côté de Sybille. Après. En billion de dollars, ça doit être l'argent que possède le Canada. Sybille, ça va? Hug Bliss a arrosé la planète d'un étrange rayon d'énergie. Bonjour, je suis Hug Bliss. Oh non! Et je suis très heureuse, Sam. Oh, bonjour, frère Max. Que Tangerine Dreams et Popol Vuh soient sur toi. Merci, Sybille. Tu es particulièrement resplendissante aujourd'hui. C'est horrible. Il faut que tu te reprennes. Me reprendre de quoi, ami Sam? Pour la première fois, j'ai un boulot parfait. Je vis une relation solide comme un roc. Et je me sens en paix comme jamais. Je n'ai jamais été aussi comblée. T'inquiète pas, on va arranger ça. Au revoir, Sybille. Bon. Hypnotisé, bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut putain de faire? C'est ça qu'il faut faire. What the fuck? Putain, j'aurais jamais trouvé ça. Alors ça, ce qu'il faut faire, c'est... Ça vient du cosmos, hein. Oui! J'aurais jamais trouvé. J'aurais jamais trouvé. Oh. Sérieusement, ça, par contre, ça vient des ténèbres. Alors, ce qu'il faut faire, vous voyez là dans le placard, vous voyez, il y a Léonard qui est là, qui traîne depuis l'épisode avec la mafia. Alors, ce qu'il faut faire. Salut Léonard, comment ça va? Voilà. Ben tu vois, t'as enfin terminé ta paperasse. C'est l'acte de propriété des États-Unis. Et il est tout mouillé. Qui aurait trouvé ça? Vraiment, qui aurait trouvé ça? Sérieusement, comment tu te dis un instant, il faut utiliser le truc de vomi sur Léonard? Hein, vraiment. Bon, ensuite, vous avez compris comment avoir les 100 millions de dollars. Il faut vendre les États-Unis à Sybille, qui est la reine du Canada. Et ensuite, tu achètes le générateur de tremblement de terre. Et avec le générateur de tremblement de terre, ouais, tu fais trembler la terre pour que le gros... Que le Samu bouge sa queue. Vous semblez d'humeur à faire du shopping. Seriez-vous intéressé par les États-Unis? Comme c'est charmant, nous les renommerons Saskatchewan Méridional. Quel nom délicieux! Ouais, ouais, très bien. Combien êtes-vous prêt à offrir? Oh, un pays de cette valeur mérite un prix à la hauteur. Nous refusons d'acheter à moins de 100 billions de dollars. Ce n'est que justice. Il n'en est pas question, Majesté. C'est beaucoup trop. Je vais m'en occuper, Monsieur le Président. Si votre Majesté insiste... En liquide, ça ira?
Nous avions hâte d'utiliser le nouveau billet $1 billion canadien. Et l'image de Céline Dion? C'est un trésor national, non? Oui, alors à l'origine de la bière. Ouais, Lincoln qui a envie de vomir. Est-ce que j'ai raison, mon idée est bonne? Ah oui, tiens, c'est vrai que ça c'est pas con, ça. Alors comme le Sambo, on va s'occuper du Sambo Race. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, il me semblait avant que Sam pouvait courir, mais... Ah zut. Il y a le truc à côté, c'est bien. Bon, on va faire une pierre deux coups. Et je pense même que je vais finir le truc aujourd'hui. Bon, il reste 21... Alors, 100 millions de dollars. On veut acheter quelque chose. Soit. Et voilà, Bosco. 100 billions en billets de tout ce qu'il y a de plus authentique. Voyons ça. Céline Dion. Ok, ça me va. Voici le générateur de tremblement de terre. Télécommande. On soit bien d'accord. J'aime la télé comme tout le monde. Mais... Elle commande mon système de défense, mais il n'y a plus qu'un bouton qui marche. Appuyez dessus pour déclencher le tremblement de terre. Et ceci est en accord avec toutes les procédures de sécurité, bien sûr. Qui sait? Une dernière chose pour que ça marche. Vous devez être à portée du satellite. Compris. Il est garé où? Pour je ne sais quelle raison, je me méfie de ces illuminés sur la Lune. Je l'ai laissé là-haut. C'est bête, hein? Faut l'utiliser sur la Lune, pigé. Merci et au revoir, frère Bosco. Non, vous avez compris. Hey! Hey, hey, qu'est-ce que vous faites? Ça sent bon. Hey, vous allez manger ça? Bon, je veux bien partager. Bon, vous avez compris maintenant que le rat... Il dans son estomac. Mesdames et messieurs, le grand Sam Inney. Hey, lâche-moi, je veux pas sortir. Est-ce que je vois? C'est mon estomac. File-moi ce chapeau. Hey, je me sens tout chaud à l'intérieur. Comme si mon ventre était devenu l'endroit douillet où le pop-corn et les boissons trop sucrées peuvent se mélanger. Je le retrouve. Bon, il manque sa queue. Bon, vous avez compris ce qui va arriver pour sa queue. Faut utiliser le générateur de tremblement de terre sur le Sambo Race. Et ensuite, c'est le boss. On peut appeler ça un boss. Comme le monsieur, il veut une télé et que le truc ressemble à une télé, ça va pas être trop compliqué. Après, par contre, pour la fin, je en sais pas. En route pour la Lune. Ouais, je pense qu'on va le finir aujourd'hui, hein. Il reste pas grand chose. Il y a le drapeau canadien. Aïe, ils ont tout racheté. Essayons d'entrer en communication avec ce truc. Bon. C'est très vilain, Sam. Quelqu'un aurait pu être blessé. Tu me manques, petit. J'ai bien peur de devoir te reprendre cette queue pour reconstituer mon copain Max façon Frankenstein. M'en fiche. Sam, qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas ça, petit. Hey! Soudain, j'ai très envie de regarder la télé et de manger des marshmallows et des chips au lieu de faire quoi que ce soit d'utile! Je peux pas savoir à quel point j'en suis heureux. C'est si bizarre. J'étais parti, Sam. D'une certaine façon, oui. Ugly t'a séparé en plusieurs morceaux. T'étais un peu partout à la fois.
bug, Bliss. Je hais ce type avec son sourire faux et sa joie tout aussi artificielle. Qu'est-ce que tu dirais si on couvrait ce crétin de plumes et de goudron? Content de te retrouver, petit. Il est temps de nous concocter une bonne vieille vengeance. Et de sauver le monde par la même occasion. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allez, allons lui régler son compte. Oui! Ah bah écoutez, on va finir. Ah, mauvais pif. C'était pas là où il fallait aller. Alors apparemment, il y a un ascenseur qui est apparu. Où est-ce? Non. Attends. Ah oui, ça, d'accord. Pas de problème, ça. J'ai mal lu, bravo. Tu joues avec encore la souris à côté? Oui, je joue encore avec la souris à côté. Parce que bon. On va finir le jeu, même s'il reste... on est à 26 minutes de vidéo, que je devrais m'arrêter là, mais bon. Il reste plus grand-chose, là. C'est la phase du boss. Donc l'ascenseur arc-en-ciel. Bah, attendez, je vais faire son dans la Soyuz. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Zut. Allô? Vite, petit, chope-le. Bonjour, je suis Agli de dire ça. Petit imbécile! Tu as cassé mon hypno-rayon! J'aurais dû te tuer depuis longtemps, mais que veux-tu? Je suis trop bon! En attendant... Erreur! Qu'est-ce que... Bonjour, nous sommes Atlas. Nous sommes des voyageurs de l'espace, une colonie de bactéries intelligentes! Voilà une phrase que je ne m'attendais pas à entendre aujourd'hui. Ah, moi non plus. Les bases ne nous font aucun mal. Nous ne voulons qu'une chose. Nous nourrir. Nous nous nourrissons des endorphines sécrétées par les humains quand ils sont en état de béatitude. En fait, vous vous fichez du bonheur des gens. Vous voulez seulement baffrer. Oui. Hé, hey, ça je peux comprendre. Mais vous voulez nous faire mourir de faim. Et pour ça, nous allons vous tuer. L'un des champs de magie le plus extraordinaire! Jamais vu! Hey, faut que ça en jette pour la caméra. Quelle caméra? Fais ta valise, Sam! Parce que tu viens de gagner un aller simple pour... ta tombe! Toi, tu vas le regarder mourir! Quel spectacle! Commence! Et là... Oula, temps de chargement. Mesdames et messieurs, pour commencer, voici l'arc-en-ciel de la mort. Oh yes, à la mort. Wow. Connu sous le nom de balade hémétique. Ah, je vais vomir. Exactement. Lance des couteaux, non, des haches. Hey. Ah pardon, je m'emporte. J'ai une meilleure idée. Je vais le torturer jusqu'à ce qu'il me supplie de l'achever avec son propre revolver. Barry Tony Parker n'en aurait jamais rattrapé une comme ça à ma place. Mais
Alors c'est comme ça que les magiciens échangent leur place avec d'autres personnes, par magie? À bien y réfléchir, je n'aurais pas dû laisser ça traîner. Joli coup, Sam! Tu as réussi! Merci, petit. Franchement, j'aurais voulu que ce soit un peu plus difficile. C'est un peu dommage de... Non, vous permettez? Je crois que vous oubliez quelque chose! Oubliez quelque chose? Moi? Non, je crois pas. Mais oui. Mon horoscope me disait de prendre mon savon antibactérien. Pourquoi je l'ai pas écouté? À suivre, le numéro le plus demandé dans toutes les soirées tortures de transpathologie. Le moment est venu de dissocier sa béatitude. Non, pas ça. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Tant que la scie ne te touche pas, après tu meurs. C'est ignoble. J'adore. C'est une cinématique, hein, je peux rien faire. Bah, y'a rien de plus compliqué, hein. Alors, attends. Ça va? Vomi! Immunisé à la gastro. Non. Non, elle est pas bonne. Ça va, du coup? Vas-y, Sam. La foule adore ça. Découvre-nous, Sam. Allez, chiche. Je suis capable de le faire. Tu es supposé me scier en deux. Pour mon numéro suivant, permettez-moi de vous présenter un passeport pour le néon. Le module lunaire? C'est un passeport pour le néon! Bon séjour dans l'espace! Jusqu'à ce que mort s'en suive! Bah, t'as la clé! Sam! Au revoir! Bon voyage! Au revoir! Je dois lui reconnaître quelque chose. Sur scène, il est bon. Je peux pas faire ça maintenant. Bah si, t'as la clé. La clé de cire. Tout ça, ça n'a. Comme c'est drôle. Tout va bien. Je n'ai rien. Waouh. Ah, nul. J'ai tout entendu. Imagine ça, un piège si mortel que tu vas en mourir. Ça, c'est mortel. C'est le bain purificateur d'annihilation. Oh, on pourrait zapper celui-là? Je suis pas à l'aise avec l'idée de noyade. Laisse-moi réfléchir. Non! Ne te noie pas, Sam! Merci, petit. C'est tellement ennuyeux comme mort. Tu peux pas essayer de te faire couper en deux, plutôt? Merci, petit. Je crois pas que ça puisse encore marcher. Je suis piégé. Dis-moi pas qu'il faut toujours appuyer sur ça. Oh mon dieu, nous sommes perdus. Mais en fait, les bactéries ne peuvent pas se noyer. Wow, on est oui. La ferme. C'est scellé. Non. Non. Je peux pas faire ça maintenant. Et maintenant, à la demande générale, l'arc-en-ciel de la mort. Ok. Encore. Ok, le monsieur n'a pas trop d'inspiration, donc... Alors... Ah, c'est... J'ai cru que c'était voulu, c'était pas voulu en fait, bon. C'est... Oui, vous avez compris que c'est un peu... Oh non,
moment. Je veux descendre. C'est pas le moment de papoter. Dissocier ta béatitude. Les parties supérieures et... Ouais, mais je fais quoi maintenant? Je tire dessus, Ouais, je fais quoi maintenant? C'est bien ça. Ah, so Disney. Ah, voilà, là. Découvre-nous, Sam! Allez, chiche. Ah, non, c'est un module. Qu'est-ce que tu fais? Vérifie la zone, c'est tout. Espèce de sale emmerdeur! Je vais te la coller dans le... Ah non, c'est un show pour toute la famille! Jamais je ne dirais que ça. Je l'ai tué autrement! Vous tirez la voix de Dexter, je viens de remarquer. Oui, les enfants, vous l'aimez, et moi aussi. Le bain purificateur d'annihilation! Alors, le truc du magicien... Et ensuite, clé du module lunaire... Et voilà. Hey, Hogbliss, dissocie donc ça. Il est pasteurisé. Viens donc, Max. Tu as gagné le premier prix. Un verre de grand méchant. Hey, Hogbliss, on se retrouve de l'autre côté. Eh bien, j'ai hâte de voir le souvenir que tu vas conserver de cette affaire. Et avec mon numéro 1, je vais donner naissance au culte de la Yardik. Ça me fait penser qu'il faut encore aller taper sur le crâne de Weather et de tous les autres habitants de la planète. Mais oui. Et t'as pas vu mon gant de boxe? Je le retrouve pas. Je suis là. Je voulais te faire la surprise. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu, Sam. Toi aussi, petit. Maintenant, allons sauver le monde. Bon bah voilà, saison 1 terminée. Bon, j'aurais pris mon temps, bah écoutez, je l'ai jamais fait. Sam & Max saison 1, j'ai jamais fini la saison 1, j'ai jamais fini non plus la saison 2. Est-ce que... Ah bah. Cryptic world of cryptic rabbits, underutilized impulse control. Voilà, c'était la face éclairée de la lune. On aura fini en 4 épisodes. La vache Betty dans la saison de l'épisode 2. Mania's law, the reverence excess. Alors je vous dirai après, une fois que les crédits sont terminés, si je vais faire la saison 2 ou pas. Alors déjà, la saison 1 de Sam & Max était excellente, faut le dire, je veux dire, c'est mon avis sur cette saison 1. Elle est excellente, même si bon, il y a des bugs, hein, faut le dire, c'est un poil buggé. Bon, des fois, faut vraiment trouver hein, scénaristiquement ce qu'il faut faire. C'est pour bientôt notre prochaine affaire, Sam. Je suis sûre que les criminels du coin regrettent notre touche si spéciale en matière de justice. Moi, personnellement, j'ai adoré faire ce jeu. Ces jeux. Ah, ce jeu. Voilà, ça devient fou. Il y a la manque de l'armée, de la mafia des jeux. Bah on peut dire ce qui manque dans cette partie, c'est un petit truc avec la des autos. Il y a eu ça un petit peu, pas eu trop de gameplay avec la des autos hein, dans le dernier chapitre, épisode.
Ils appellent ça des épisodes, mais sans, ouais. La mafia des jouets, je croyais qu'ils étaient morts. La mafia des jouets, ancienne partie. Enfin bref, voilà. Un jeu de fées. Bah, oui, c'est considéré comme un jeu, la saison 1. Hein. La saison 1 est un jeu à soi, même si les jeux sont en plusieurs parties. C'est-à-dire que t'as la partie... L'épisode 1 est un jeu en soi, l'épisode 2 est un jeu en soi. Alors, c'est fini. Mais où l'amour? Il doit bien y avoir un buffet, là, derrière. Il n'était même pas hypnotisé, j'ai mis dedans. Vous l'étiez ça et vous êtes pas rendu compte qu'il y avait des petites temps de lagance quand je tu... suis un projet à long terme, tel le veau d'or ou une image gravée. Je n'aurai de repos tant que le peuple ne sacrifiera pas son premier né à ma gloire. Et en plus, je veux faire du cinéma. Ah, ouh. Ah, il est en pierre. Ouais, quand tu trouves le bon moyen, il y a un trigger qui s'active et qui prend bien longtemps. Oh. Regardez. Il y a le mec de la mafia des jouets, il y a Max, il y a alors c'est Pepper et l'agent Siphon sur la des auteurs avec aussi Jimmy dedans. Ça fait très américain, ouais, j'avoue que le crédit comme ça c'est très américain. En tout cas, je suis très content de vous avoir fait cette saison 1. When for prison, Max for prison.org. Max 2007. Bosco, on l'a vu. J'ai une carte des Pays-Bas sur mon bas pays. Et pour finir, Bosco. Bon bah voilà, les cris sont terminés. Est-ce que je vais vous faire la saison 2? La réponse est oui. Je vais vous faire la saison 2. Alors, est-ce qu'elle sera en français? Non. Mais elle sera peut-être en VostFR, c'est-à-dire vous aurez des sous-titres en français. Ce qui existe, il y a quelqu'un de très généreux qui a fait ça, qui a fait les cryptes. Alors il l'a fait pour l'épisode 1, par contre je suis pas sûr pour l'épisode 2. Donc je vais pas vous refaire l'épisode 1 de la saison 2, hein, le Père Noël est une enflure. Par contre, l'épisode 2, je vais vous le faire, quoi qu'il arrive. Quand? Peut-être la semaine prochaine. Je vais peut-être vous faire Spy Fox. Donc, je ne sais pas encore. J'hésite en fait entre faire un épisode de Spy Fox et l'épisode 2 de Sam et Mark. En tout cas, ce sera un point and click, quoi qu'il advienne. Et combien de temps il va prendre? Bah, écoute, 4 épisodes. Le premier épisode de Spy Fox, il avait pris 3 épisodes. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il avait pris 3 épisodes. Dans tous les cas, il y aura l'épisode 2 de Sam & Max, peut-être en VostFR, peut-être en VF. Je sais même pas, en fait, je me suis pas renseigné davantage pour concernant ce script. En fait, je sais même pas, je crois que on peut appeler ça un patch, ouais, c'est un patch, mais c'est même pas de la part de Telstase. Ça, c'est, on peut le dire, hein, de la part de Telstase, hein, c'est vraiment pas sympa. L'épisode 1 est en français, la saison 1 plutôt est en français, la saison 2 existe en français. Sur Wii et sur PC en disque. Que en fait, le jeu existe aussi en disque. Par contre, la saison 3 est en VostFR. Elle n'a pas été jamais doublée en français. Donc, la saison 3, je sais pas si je vais la faire. Mais je l'ai. De 1, je l'ai jamais faite. De 1. Et de 2, je n'ai pas les doublages français. Bon. Je suis pas certain que les doublages français sont excellents, faut le dire. Bon, bah, la vidéo fait presque 45 minutes. Donc, on va se dire à bientôt, les amis. C'était Super Canin. Et on va se retrouver pour soit l'épisode 2 de la saison 2 de Sam & Max en VostFR ou en VS, je sais pas. J'essaierai d'installer le script. Ça tout dépend si j'arrive à installer ce patch hashtag script. Si j'y arrive, bon, vous aurez l'épisode. Et sinon, vous aurez du Spy Fox. Voilà, c'était Super Canin. Et on se retrouve bientôt pour. Donc tout ce que je viens de dire, soit du Spy Fox, soit la saison 2, épisode 2 de Sam & Max. D'ici là, portez-vous bien, c'était Super Canin, à vous les studios.